Ça, c'est un Caenorhabditis elegans. Bon, alors la partie élégant, ouais, bof. Enfin, il est sûrement pour les biologistes qui l'adorent. Parce que c'est un petit ver transparent d'un millimètre avec une durée de vie hyper courte et qui se reproduit très vite. Ce qui fait que son observation en laboratoire est simple et efficace. Celui qui l'a vraiment popularisé en biologie, c'est Sidney Brenner. Lui, John Sulston et Robert Horwitz vont l'utiliser pour analyser la mort programmée des cellules, qu'on appelle aussi l'apoptose. Alors ça a l'air triste dit comme ça, la mort des cellules. Mais le suicide des cellules défectueuses ou plus nécessaires à l'organisme, c'est essentiel. C'est ce qui va permettre par exemple aux embryons humains de perdre leurs palmes qu'ils ont au début de leur formation pour former une main. Encore, c'est ce qui cause les règles chez les filles. Le travail combiné de nos trois chercheurs va permettre notamment de comprendre les gènes qui interviennent dans ce processus. Et c'est hyper important, surtout pour mieux comprendre certaines maladies. L'Alzheimer par exemple, c'est parce qu'il y a trop d'apoptose, trop de neurones qui se suicident alors que devrait pas. Et à l'inverse, les cancers, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'apoptose. Des cellules néfastes pour notre organisme qui devraient se suicider, mais qui ne le font pas et qui s'accumulent. Et c'est comme ça qu'ils ont eu un prix Nobel en 2002.